Salut à tous, c'est Erul. On se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier épisode du Papa sur Shadow of the Colossus. Donc, dans cet épisode, nous allons combattre le colosse numéro 15 et le colosse numéro 16, les deux derniers. Deux combats absolument épiques et titanesques. Surtout, le tout dernier, vous allez voir, il est absolument monstrueux. La vidéo va peut-être être très très longue, enfin beaucoup plus longue que les autres, va sûrement dépasser une heure, parce que je vais vous laisser l'intégralité des cinématiques de fin du jeu. Pour que vous puissiez en profiter au maximum. Et même pendant ce petit passage où je vous mettrai les cinématiques de jeu, je enlèverai ma petite tête en haut à droite. Bon, on est parti. C'est dans cette direction. Mais il faut pas que je me fasse avoir. Parce que si je me souviens bien, il faut faire tout le tour pour aller voir le colosse. Allez, en plus, j'ai vraiment hâte de finir le jeu pour voir la scène de fin, parce que je m'en souviens plus du tout de la fin. Et j'ai vraiment super hâte de voir la fin de ce jeu. Alors, si je me souviens bien, le colosse, il est par là, mais c'est tout au fond derrière. Parce que sinon, là, je vais au l'endroit où j'ai combattu, je crois, le colosse 13, celui qui était dans l'eau. Et c'est pas la bonne direction. Attendez, je regarde ma carte. Voilà, si je me souviens bien, faut que je fasse le tour là. Ok. C'est parti. Alors, je vais essayer d'être rapide hein, dans mon voyage. De pas me perdre. Ça serait pas trop mal. Donc voilà, là, on longe le super pont par où on arrive au tout début du jeu. Allez mon petit cheval, te fatigue pas, cours. Ouais, c'est par là. Alors, je vais voir si je peux faire le tour pour aller le voir. Parce que sinon, je me souviens plus du tout où est ce colosse. Mais alors, je me souviens du colosse. La technique pour le battre, vous allez voir, elle est excellente. Par contre, je me souviens plus de l'endroit. C'est dans une ville, enfin dans une ville, dans des ruines normalement, que se trouve le colosse. Allez, dites-moi que c'est par ici que je me suis pas planté. Oui, c'est ça. Je reconnais les petites ruines au fond. C'est par là. On y arrive. Nous allons voir ce 15e colosse qui est absolument immense. Il est hyper grand. Mais le plus grand des colosses reste... Oh là, qu'est-ce qui me fait le cheval. On se serait cru dans une voiture, il m'a fait un bond. Tant que je suis là, je vais m'arrêter. Prendre le lézard. S'il y a un lézard. Ouh, petit lézard. Non, j'ai déjà pris sur ce... Bah, je me souviens pas l'avoir pris ici. Bon, c'est pas grave. On va dire que je l'ai pris, hein. Hop, je me suis agrippé à mon cheval, là. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, le prochain jeu pour le pas à pas, ça va être Pandora Tower. Un jeu sur Wii, histoire de changer un peu, jeu d'action-aventure. Très bon d'ailleurs au passage, qu'on va faire ensemble parce que je l'ai acheté le jour de la sortie. Je vous ai fait une petite vidéo découverte et j'y ai pas retouché, il est au fond de mon armoire. Tellement de jeux à faire que... Hop, je le gardais pour plus tard. Il a disparu, il y avait bien les arts là, voilà. Je le gardais pour plus tard, donc je vais le faire avec vous. Ah, c'est vraiment... Ah oui, bah ça c'est super malin. Moi je l'ai tué là et comment j'y vais jusqu'à là-bas? Oh là 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 là. C'est super malin de ma part. Il a pas bougé en plus la queue de lézard, c'est pas vrai.
Bon, c'est pas grave. Je fais le tour, j'essaie de la récupérer une autre fois et après je passe directement au colosse. Je vais pas passer 3 heures à essayer de ramasser une queue de lézard. Bon. Je retente le coup quand même parce que ça me permet d'augmenter pas mal mon endurance. Cette saloperie de queue de lézard. Alors si j'avance tout doucement comme ça. Oh là là, en plus elle est en lévitation en l'air. Comment vous voulez que je récupère ça? Ah non, il faut que j'appuie sur la touche pour la récupérer. Ah bah laisse tomber. Je laisse tomber, c'est pas grave. J'avais qu'à tuer le lézard autre part. Hein. Bon. Je crois bien que c'est par là. Hein. Parce qu'on a encore jamais vu dans ces ruines. Allez, hop. Alors, mon petit cheval, il va m'attendre ici. Ça peut pas passer, je te reprends tout à l'heure. Et bah nous, pendant ce temps-là, on va essayer de trouver la sortie déjà, ça serait pas mal. Mais j'aimerais bien savoir qui a bâti ces structures, ces temples. Il devait y avoir une civilisation qui habitait ici avant pour avoir construit tout ça. Avant que la terre devienne interdite. Alors, est-ce que le Colosse 15, c'est bien celui qui est dans ma mémoire? Une espèce de gros avec ça. Il est super gros avec une énorme massue. Et il a une tête de Colosse pas en comptant. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les Colosses avaient des têtes de Colosse gentils. Ils avaient tous l'air gentils. Et lui, je crois que c'est un des premiers qui a une tête de pas content, en fin de compte. Hein. Et... ouais, ça doit être ici. De mémoire. Par contre, où est-ce qu'il se cache? Alors voilà, pour battre le colosse, il va falloir grimper dans ses structures pour lui sauter sur le crâne. Mais pour ce faire, il va falloir que le colosse nous file un coup de main. Bah, il est bien ici normalement. Ah, le voilà. Il a une tête de singe limite. Hein. Wow. On va faire des petites galipettes pour essayer de l'éviter. Alors, si je me souviens bien, il faut que je l'emmène ici. Pour qu'il m'attaque. Ça doit être ça, ouais. Parce que là, vous voyez, je peux pas atteindre la... Le rebord, il est trop haut. Va falloir qu'il m'attaque. Ici, avec son sabot de mémoire... Il me crée une passerelle. Hein. Alors il se bat que comme ça celui-là. Hein. Parce que s'il faut regarder, il est protégé, il n'y a pas un poil. Est-ce qu'il m'attaque? Ouais. Voilà. Wow. Allez. Est-ce que c'est là où... Alors, de mémoire, je vais le provoquer. Parce que c'est... Faut qu'il m'attaque, je crois bien. Ah, il est pas content. Est-ce qu'il va m'attaquer? Ouais, il arme son coup. Non. Oui, là, il arme vraiment son coup. Ouf. Voilà, j'ai failli me faire écraser par la pierre, j'ai eu de la chance. Par où est-ce qu'il faut que je monte maintenant? Tu m'as grippé là? Ah d'accord. Ok, donc là on est monté un étage au-dessus. Il n'y a pas des escaliers quelque part, non?
Faut que je trouve des escaliers. Ah là, voilà. Alors quand on connaît la technique, hein, c'est comme d'hab, hein, ça va beaucoup plus vite. Par contre, quand vous ne connaissez pas la technique, je peux vous assurer que vous galérez des heures et des heures à trouver la combinaison à faire pour avoir ce satané colosse. Alors... là, ça devrait être bon. Faut que je me bouge parce que s'il attaque, normalement, il défonce le pont. Ouais, c'était le moment de bouger. Ouf, j'espère que je suis pas tombé. Est-ce que je suis toujours en de mon pont ou je suis tombé? Non, apparemment, je suis là. Nickel. On va préparer sa petite épée. Et le saut héroïque, c'est parti. Non, 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 tombe pas, fais un petit effort. Allez, agrippe-toi. Voilà. Alors lui, il n'arrête pas de bouger si je me souviens bien. Il va falloir que j'aille me mettre. Que je fasse super gaffe à ma barre de stamina. Allez. Je vais essayer de prendre un peu de souffle. Sans tomber. Allez, reprends ton souffle. Non. Faudrait qu'il arrive à se caler quelque part. Oh là là, il me balade de gauche à droite. D'aller mettre là. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je suis tombé. Bon, c'est pas grave. Il faut tout recommencer. Hop. Allez, faut remonter tout en haut. Normalement, la voie est déjà toute tracée. J'ai plus rien à faire. Mince. J'ai pas sauté du bon côté. Non, pas s'agripper là. Ah, voilà. Et l'escalier, il est dans mon dos. Non, 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 oh, c'est pas le moment de tomber. Alors, on va essayer de remonter vite fait à notre petit endroit en haut pour lui ressauter sur la tête. Voilà. Allez, un petit effort. La technique, on l'a déjà blessé une fois. On va aller le reprovoquer. Oh là, on a un magnifique enchaînement. Un petit saut. Par contre, le saut a disparu. Faut que je me souvienne où est le dernier saut. Mince, je me souviens plus où est le dernier saut. Ce serait bien que tu t'excites pas trop, s'il te plaît.
Il va pas se laisser faire celui-là. Hein. Bah, c'est un tout petit coup à lui mettre. Mais je crois que son saut... Oh, je vais pas retomber. Je vais essayer de pas retomber. Non, je pouvais juste rester. Que je puisse voir l'emplacement du saut. Mince. Il a un point faible caché. D'accord, trouve son point faible caché. C'est super facile à dire, moi je peux le dire. Hein. Trouver son point faible caché. Maintenant, c'est... c'est plus dur. Est-ce qu'il est caché par là? Parce que ça brillait par là. Ouais, il est en bas là, non? Chouac! Ah non! Qu'est-ce qu'il a là? Il a une petite faille. Hop! Alors là, je me souviens plus du tout de cette phase. Il a fait tomber son gourdin. Là-dessus, on est d'accord. Mince, j'ai plus avoir assez de... J'ai plus assez avoir de stagmina pour tenir. D'accord, il est dans sa main, son point faible. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, la mauvaise idée. Maintenant, il faut que je trouve un moyen. Waouh. Ah, maintenant, je suis bête. On m'a mis son coup de poing. C'est le moment d'attaquer. Allez, rattaque-moi. Regarde, je suis vilain, je suis en bas. Regarde, je te fais mal. De m'écraser. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Bon, allez. On sait où ils sont, points faibles. Faudrait qu'il m'attaque avec sa main là. Non, il veut toujours pas. Non, il veut m'écraser, c'est d'accord. C'est pas cette main là. Ah si, il a du poil aux mains. Faut qu'il m'attaque avec sa main pour que je puisse m'agripper dans la paume de sa main pour lui défaire sur le seau qui est à l'intérieur. Mince, j'ai fait n'importe quoi là. Vite. Non, pourquoi il s'est pas grippé? Oh, c'est pas vrai. Voilà. Et le coup de grâce. Donc voilà, le 15e colosse est terrassé. Il nous en reste plus qu'un à les battre.
Le monstrueux 16e colosse. J'ai trop... Ah, je vais vous l'avouer, j'ai trop peur d'aller le battre. Parce qu'il est vraiment horrible à battre. De mémoire. Ok. Allez, hop, je saute sur mon cheval. Oh, mince. Attendez, parce que si j'ai bien vu, normalement, je peux sauter et m'agripper dessus. Ouais, bon, c'est pas grave, je vais monter dessus traditionnellement, hein. Hop, voilà. Donc, là, on va partir pour le tout dernier colosse. C'est parti, la voix du dieu, enfin on suppose que c'est un dieu du temple, nous dit de nous dépêcher car des personnes arrivent pour m'empêcher de faire mon rituel. C'est ce qu'on a vu dans la cinématique, il y a quelques colosses à la fin quand on les a battus. Ok, donc il est par là. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de colosses de ce côté, je dis pas beaucoup, mais si, on avait quand même pas mal. Hein. Quand je regarde toute la carte, on a déjà quand même pas mal voyagé, hein, gauche à droite. Donc là, faut que je prenne sûrement le petit passage à droite. À droite, à gauche, pardon. Enfin, l'autre droite, vous m'avez compris. Est-ce qu'il est par là, normalement? Bon, on va aller voir par là. Alors, on a un arbre, attendez. Il n'a pas de fruits, cet arbre? Non. Ok, c'est pas grave. Allez, viens là, mon petit cheval. Ah oui, regardez. Comment il s'agrippe au cheval là. Quand vous sautez dessus, vous maintenez la touche de pour vous agripper, d'appuyer. C'est vraiment par là. Et c'est là où j'ai battu le premier colosse. On va aller jeter. Ah, moins que ce soit derrière. Attendez, je fais pas la même bêtise que tout à l'heure. Ouais, je vais plutôt prendre le petit chemin à droite, on va le chemin à droite. À gauche, je vais le prendre, faire le tour, et si c'est pas ça, bah, je reviendrai ici. Mais je pense que vu la... Là où on a battu le premier colosse, il n'y avait pas d'autre endroit où aller. Hein. Bon allez. On y va avec notre fidèle destrier, qui nous a pas quitté de l'aventure. Mince. Oh. Allez. C'est vrai que c'est une jument, c'est pas une moto à se conduire. Elle met un peu de temps à braquer, on va dire. La jument. Alors voilà. Est-ce que c'est... Je me suis pas trop... Non, je me suis pas trompé. Voilà. Donc en passant par derrière là... Ouais. Ok. On va arriver sur le... La scène du dernier affrontement. L'affrontement final. Cet affrontement est absolument horrible à faire. J'espère que j'ai pas trop galéré.
Hop. Ce coup-ci, le petit lézard, je vais essayer de le tuer intelligemment. Oh mince, il est invincible. C'est quoi ce délire? Ça y est. Hop, on l'a bien empalé. Hop. Ça, c'est fait. Allez, arrête de bouger, toi. Canasson. Alors, si... Voilà, c'est par là. Ok, je me suis pas planté. Nickel. C'est parti. C'est bien cette direction. Donc, je sais pas si ça fait combien de temps que la vidéo est partie. Oh, ça serait pas dans la gorge là-bas? Oh, ouais. Oh, c'est bizarre, ça a l'air super grand. J'avais pas l'impression que c'était aussi grand. Oh la vache, je sais que c'était immense derrière aussi. Alors on m'a dit que les oiseaux, apparemment, je pouvais peut-être essayer de m'y agripper. Mais j'ai pas réussi, enfin j'ai pas réussi, j'ai pas testé surtout. Ah, il y a un autre temple là-bas, la vache. D'accord, on se trouve dans l'énorme prairie derrière. Ok. Il y a quand même une belle surface à explorer, hein, si on veut vraiment faire le jeu à 100%, ramasser tous les fruits, tous les lézards. Sauf qu'après, il y a un mode... Je viens de voir un lézard en parlant de lézard. Il y a un mode time attack de mémoire après. Vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir attaquer les boss pour les battre en un minimum de temps. Parfaire votre technique d'assaut des colosses. Ah ça y est, je l'ai encore tué à un endroit où je peux pas aller. Ah bah non, si je l'ai pris, j'ai rien dit. Hop. Ok. Parce que là, oui, je préfère largement agrandir ma barre de... Ma barre de stagmina comme un fou, on allait affronter le dernier colosse parce que je vais en avoir besoin de ma barre de stagmina pour le dernier colosse. Car on va jouer l'acrobate. Mais alors vraiment l'acrobate hein, pour ce colosse là. Vous allez voir, quand vous allez voir le colosse, vous allez comprendre parce qu'il y a... faut 3 minutes d'escalade pour arriver à son point faible et dès qu'on tombe, faut se retaper les 3 minutes d'escalade. C'est absolument horrible. Ah, comment je suis censé rentrer? Hop. Peut-être avec le rayon de lumière, non? Ah, voilà. Et par contre, on sait pas comment notre héros a eu l'épée sacrée, hein, parce qu'apparemment, il n'y a que cette épée-là qui peut terrasser les colosses et ouvrir. Quelqu'un a bien dû lui donner l'épée sacrée. Il y a encore un temple. Alors, je vais m'arrêter. Où est le lézard, c'est pas grave. On va y aller. Ah, là mon cheval peut pas y aller.
Non, c'est pas par là. C'est pas par là. C'est par où? Oh là là, il est tout là-haut. Ok. Oh là. Oh mais c'est quoi ce piège? C'est une blague? Oh non, cette blague. C'est pas vrai. Puis moi j'ai pas sauvegardé au temple en plus. Ils vont me faire recommencer du temple du milieu, j'en suis sûr. Oh là là, j'aurais dû sauvegarder. C'est pas grave, je me ferai pas voir la prochaine fois. Je me souvenais plus du tout de ce piège-là, c'est vraiment vicieux de la part des développeurs. Mais bon. Je me suis fait avoir. Hop, la prochaine fois, j'irai sauvegarder au temple, ça m'apprendra. Allez, on est reparti vite fait, on connaît le chemin. Ah, quand j'y repense, ils sont vraiment vicieux, quoi. Mettre un pont, on peut sauter, qui s'effondre et ça nous... Parce qu'on n'a pas l'habitude dans les jeux, maintenant on a des checkpoints partout, donc dès qu'on sort dans un piège comme ça, on recommence 5 mètres en arrière, mais là j'ai pas pensé à sauvegarder au temple. Hein. Bon. On y va. Tant que j'y suis, je vais tous vous remercier parce que ça y est, j'ai dépassé les 2500 abonnés. Vraiment un grand merci à vous tous, parce que c'est absolument énorme. C'est juste énorme, 2500 abonnés. En plus, ça arrête pas de monter en ce moment. Je vous prépare bien sûr plein de vidéos en attente. Donc il y aura un nouveau papa. Le papa avec Scarface sur Splinter Cell, c'est pareil, on va bientôt le finir. Il reste 2 épisodes, on va faire ça très vite. Les épisodes de Benzaï, c'est pareil. Sur Orc Must Die, on va aussi les finir rapidement. Pour vous puissiez avoir l'intégralité de ce playthrough. Allez, on revient au jeu, je suis bientôt revenu à l'endroit. Je suis quand même bien dégoûté, hein, je dois bien le dire. Bon, est-ce que je fais pas de bêtises? Je sauvegarde au temple. J'espère que la vidéo va pas faire 2 heures non plus, mais quoi qu'avec les cinématiques de fin. Là, je viens de mourir bêtement. C'est la deuxième fois que je meurs. C'est 2 fois bêtement en plus. La première, c'est parce que je m'étais fouillé la cheville avec un colosse. Et la deuxième, c'est parce que je me suis fait avoir dans un piège vicieux des développeurs. Fou, quel saut! Bravo, petite jument. Hop. Alors, faut que j'aille là. Je mette mon faisceau de lumière. Là. Et je vais les sauvegarder au temple. Hein. J'aurai pas 2 fois la même bêtise. D'ailleurs, je sais pas si on l'a déjà fait, mais dans les RPG, c'est souvent comme ça. Hein. Y a un point de sauvegarde, vous dites non, non, je vais pas sauvegarder, c'est bon. Vous faites battre par le boss de fin de donjon et là faut se retaper 3 heures de jeu. Combien de fois ça m'est arrivé? Alors le temple est là. Je vais aller prier au temple hein, pour sauvegarder. Je sais pas ce qu'il a, mon cheval veut pas avancer. C'est pas grave. Allez, on va prier au temple. Oh non, ça veut dire que les arcs que j'ai pris ils ont pas compté tout à l'heure. Oh, c'est pas grave. Alors toi. Mon pauvre, je vais t'empaler de tous les côtés. Voilà. Je suis désolé. Mais j'ai besoin de me défouler sur quelqu'un. C'est sur un pauvre petit lézard. Alors, prier devant un temple. C'est sur quelle touche j'ai à fois appuyé? C'est ce que je cherchais tout à l'heure, je crois bien. Non.
Non, bah mince. Je fais comment pour... Ah c'est la meilleure, je me souviens plus qu'on fait pour sauvegarder. C'est quoi cette blague hein? Ah voilà. Sauvegarder aussi. Allez, une petite prière. Histoire pas de se faire avoir quand même, se refaire avoir bêtement dans un autre piège vicieux des développeurs. Oh là là, un quart d'heure j'ai perdu. À cause de ce piège de... C'est pas possible. Bon allez, hop. On avance. Je vais attendre que mon cheval me suive parce que le temps que je fasse tout ce trajet avec mon cheval, je vais me planter trois fois dans les murs. Donc, en face, c'est un piège. Là-bas, il n'y a pas d'avoir grand-chose. On va tenter par là-bas. Il est vraiment immense leur temple, hein. Il s'effondre pas lui. Non, c'est bon. Bah, je peux pas passer, il y a une pierre qui me bloque le passage. Ou alors... Non mais monte sur ton cheval là, je te demande pas de sauter comme un abruti devant. Voilà. Ou alors, je peux passer, mais il faut que je trace comme un porc avec mon cheval. Est-ce que vous croyez que mon cheval est capable de faire... Déjà qu'il est pas capable de tourner, mais est-ce qu'il est capable de faire un petit saut? Je sais pas, je vais essayer. Je me souviens plus comment faire pour aller. Allez, accélère, cheval. Non, mais non! C'est pas vrai. Ok, c'est bien comme ça qu'il faut que je fasse. Mais alors, moi qui arrive pas du tout à contrôler mon cheval. Ça va pas être facile. Alors là, je vais enchaîner les epic fails à une vitesse incroyable, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer encore une fois. Alors vous avez dû le voir, je suis pas doué du tout avec le passage en cheval. J'arrive déjà pas à le faire aller en ligne droite. Il est toujours en train de bouger à gauche, à droite. Alors, je vais l'appeler. Je vais essayer de pas bouger mon stick, aller en ligne droite, foncer. On va voir ce que ça va donner. Je vous garantis rien. Allez, viens là. Petit cheval, hop. Je bouge pas mon stick, je laisse toujours même place. Oh non! Oh, je suis dégoûté, je me souvenais plus quand mon cheval mourait. Ah, ça y est, je suis vert. Maintenant, faut que j'escalade tout ça pour affronter le boss.
Alors, est-ce que c'est par là le bon chemin? Je pense que oui. Oh, j'en reviens pas, je suis dégoûté pour mon cheval. Il m'avait fidèlement servi tout le long de l'aventure et là il se sacrifie pour me sauver la vie. Putain, c'est un truc de fou, je me souviens des colosses mais j'arrive pas à me souvenir de l'histoire quoi. Je me souvenais pas du tout que le cheval se faisait que Haro se sacrifiait pour nous. Je sens que je vais pleurer à la fin du jeu. Allez, c'est parti. C'est pas grave, on va affronter ce colosse. On va lui faire payer ce que notre cheval a subi. Oula. Je vais quelque part là ou pas? Non. Mais là je suis... Où est-ce qu'il veut que j'aille maintenant? Mince, non, je retombe à l'étage en dessous. Ça y est, je me suis perdu. Je me suis perdu. Alors, ouais, là, je veux bien aller là, mais... Une fois que je suis là, je vais où? Parce que là, je suis shot. Je me tue... Ah d'accord, c'est moi, j'avais pas vu. Hop, pardon. Le chemin est juste là. Ah. Et nous voilà devant cette horrible colosse. Alors regardez-le un petit peu, la taille qu'il fait. Il est immense, on dirait une forteresse. Et écoutez-moi juste la musique. Alors pour battre ce colosse, faut avancer à couvert parce qu'il nous balance des missiles hein, qui font waouh voilà hyper mal, ils visent super bien. Voilà, un quart de ma vie dégommée en un coup de missile. Alors je vais me cacher. Oh là 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 là, mais comment il fait pour me viser d'ici? Allez, lève-toi. Où est-ce qu'est le prochain endroit? Alors, je dois avoir un autre endroit où me cacher normalement. Je vais attendre qu'il ait tiré son missile pour me décaler. Non, il tire pas son missile. Voilà. Le trou est là. Vite, on va faire un plongeon dedans. Oh, voilà. Bon, je vais temporiser un petit peu le temps que ma barre de vie remonte tout doucement. Hein. Comme vous voyez, il fait très très mal.
Puis là, il y a tout pour le combat épique, quoi. La musique, la tempête, le colosse monstrueux. On a envie de pleurer parce qu'on vient de perdre son cheval. Et son point faible, bien sûr, c'est... Wow. C'est au-dessus de son crâne. Hein. Non, tombe pas, c'est pas le moment de tomber. Alors, là, il va falloir faire très gaffe qu'il ne balance pas un missile. Parce que regardez, il sait exactement où je suis. Ouf. Et donc il va falloir escalader cette forteresse pour aller lui assommer les coups de grâce en haut au sommet de son crâne. Et vous allez voir, pour monter dessus, c'est horrible. Parce que je sais pas si dans le 15ème colosse, il a fallu que je tape le colosse à une espèce de fissure bleue. Je sais pas si vous voyez, pour qu'il puisse bouger sa main. Et bah, je vais devoir faire la même chose. Sauf que je vais devoir faire ça en étant accroché. Et le faire plusieurs fois. Oh la vache, c'est super éloigné. Voilà, il a tiré une fois. On tente le coup. Oh non, c'est ce que je voulais pas, voilà. Parce que là, dès qu'on se fait toucher, on retombe dans le... dans l'espèce de petit ravin qu'il y a derrière. Le fossé, donc là, je suis obligé de tout me retaper. Colosse fait juste horriblement mal quand même. Hein. C'est celui-là qui est long aussi. Oh, je suis passé. Vite, dans le trou. Voilà. Donc là, normalement, je devrais débouler sous les pattes de ce colosse. Voilà. Je suis entre ses jambes. Regardez-moi un peu ce monstre. Il est absolument énorme. Cette musique, quand même, pour le combat final, est épique. Hein. Là, on continue de grimper. Non, je vais pas monter par là. Ah, peut-être par là. Voilà, j'ai un passage ici pour monter. En plus, avec le vent qui me pousse. Je peux pas monter plus haut, je crois. Essayer de lancer une flèche. Ça perd de le provoquer.
Ah, hop. Attendez, voilà. C'est exactement ce que je vous disais. Regardez, hein. Je vais prendre mon souffle pour vraiment avoir toutes les chances de mon côté. Il faut que je lui saute dans le dos. Ça va lui faire mal. Et là, faut que je chope sa main. Oh là là, faut essayer. Et c'est pas fini. Parce que vous allez voir. Mince, je suis en train de... Ah voilà, c'est ça. Il va falloir que je refrappe sa main. Il l'aligne. Voilà. Oh non, il s'est pas grippé. Ah si. J'ai eu peur, j'ai cru que j'étais tombé. Mince, pourquoi il s'agrippe pas? Voilà, je vois plus rien. En plus, la caméra est bug là, c'est pas le moment. Ah si, je suis tombé. Ouf, je me suis agrippé. Donc une fois que j'ai fait ça, je sais pas si vous avez vu, il faut que je tape en haut son point faible pour que son autre main vienne. Une fois que son autre main est venue, il va falloir que je continue à faire des cabrioles pour arriver à lui décocher une flèche dans l'épaule. Ce qui va me permettre ensuite d'accéder à sa tête. Alors, je vous laisse imaginer la difficulté de la tâche. Surtout que la barre de... Faut surveiller vraiment étroitement sa barre de stamina, de force, pour pas tomber. Allez, on va y arriver de toute façon. Là, je mets le coup. Sa main arrive. Je m'agrippe à sa main. Là, il doit changer. Allez. Oh non, je suis encore tombé. C'est pas vrai. Ah, puis voilà, je tombe. Ouf. Juste en bas. Oh là là, ce coup-là, c'est trop dur, quoi. On n'a pas droit à la moindre erreur. À la moindre erreur, on est obligé de tous retaper l'escalade. Allez, hop. On va retenter l'opération. Et encore, j'ai eu de la chance, je suis pas retombé tout en bas, quoi. J'ai réussi à me ragripper en cours de chute. Alors, j'espère que je vais pas trop galérer. En tout cas, ça commence mal. Oh mais non, mais c'est pas possible là. Oh là 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 là. Putain, la caméra elle est trop mal placée, j'arrive pas à voir les distances. Voilà. Donc là déjà, je suis bien agrippé. Oh mais où est la caméra? J'y vois rien du tout. Ah, c'est pas vrai. Oh là 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 là, putain, c'est... J'ai une caméra qui suit pas aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Parce que là j'ai déjà plus de... Ah mais non, c'est que je suis même pas agrippé à la main, je suis agrippé à son poignet là en fin de compte, c'est pour ça que je pivote pas.
j'ai déjà plus de stamina. Oh là là. Ah mais je suis toujours agrippé à son poignet là, je pensais que j'étais sur sa main. Mince. Oh là 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 là. Je vais encore chuter, c'est pas possible. Allez, dépêche-toi, mets un coup d'épée vite fait là. Oh non, j'étais pas bon de place ça. Oh pff, là je suis tombé tout en bas. Allez, faut tout recommencer depuis le début. Ah. Bon, j'attends que ma barre de stamina remonte. Ce colosse est juste horrible, hein. Mais... Allez, hop. Alors j'ai toujours pas touché, hein. Si, je lui enlève un petit peu de sa barre de vie, c'est à force de le taper dans la main, mais c'est tout. Je suis même pas à un quart de la manipulation qu'il faut faire, normalement j'y arrive déjà pas. Allez, hop. C'est surtout qu'il faut tout réescalader à fur et à mesure. Donc je vais essayer de pas tomber. Mince. Pour le colosse. Mais c'est vraiment pas facile. Il aurait peut-être fallu que je fasse plus de lézards pour avoir une plus grande barre de stamina. Voilà, là je mets son petit coup. Sauf que je suis pas du bon côté de la main. Alors je vais me mettre sur la main elle-même, pas sur le poignet comme tout à l'heure, je vais pas faire la même bêtise. Ah là là, puis j'y vois rien avec la caméra. Et puis là j'arrive pas à bouger, qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas me dire que je suis bloqué. Si j'arrête de bloquer, je vais encore retomber. Oh, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Oh, entre cette caméra, mon personnage qui se bloque. Ah, merci. Oh, mais pourquoi elle est tombée? Non, j'étais à plat là. C'est pas grave. Je comprends pas, normalement c'est ça qu'il faut faire. Je lui mets un coup, il se met à plat, et hop, j'attaque. Peut-être que je suis encore un peu plus, je suis encore plus à plat. Ok. Ah, jusque là c'est la partie facile. Ok, je vais attendre que ma barre se re-remplisse entièrement. Oh mais... Eh, c'est un truc... C'est un truc de fou, j'arrive pas à voir les distances. Voilà. Là, je suis bien dans le creux de la main.
Là, la main. Ah, elle est plus à plat. Ah, puis voilà. J'ai pas trop le droit à l'erreur en plus parce que ma barre de stamina descend très très vite. J'ai pas encore été assez rapide. Hein. J'ai déjà plus de barre de stamina. Oh là là là, comment je vais faire pour battre ce colosse? Non, oh, je voulais sauter de l'autre côté. Sois sympa avec moi un petit peu. J'ai plus de stamina là, je peux plus rien faire. Laisse-moi respirer un peu, que ma barre remonte. Ok, on se cale tranquillement ici. Ok, hop. J'étais presque. Fallait que je recommence l'opération. C'est pas grave. Oula. J'y suis bientôt là. Enfin bientôt. C'est un grand mot. Ce qu'il faut encore que j'arrive. Mince, je vais pas reprendre mon souffle. Mince. Ah, je vais tomber là. Je pourrais jamais tout faire dans le temps imparti, c'est impossible. Oh là là, non. Voilà. Oh non, je suis tombé, c'est pas vrai. Enfin, c'est ce qu'il faut faire, faut que je le tape avec mon épée. Quand il est à peu près droit, il faut que je lui balance une flèche dans l'épaule. Voilà, je vous raconte pas les trucs qu'il faut faire pour y arriver. Je vais bien finir par y arriver. Hein. Là, faut que je reprenne un peu mon souffle parce que mon personnage en peut plus. Attends que ma barre soit pleine. Voilà. Ah non, il a pas sauté, mais mince. Non, je vais sauter de l'autre côté. Ah, mais j'arrive pas à sauter sur l'autre main, c'est pas possible. Il se ragrippe à chaque fois sur les poils de l'avant-bras. Allez, toc toc toc. On tente. Non, je veux que tu sautes en arrière, pas sur place. Oh là là, putain. En plus, moi j'ai du mal avec la manette, ça arrange pas les choses. Allez. Ah non, faut que je me pose pour me reposer. Ah, mais je prends celle. Je vais pas réussir à m'agripper. Comment j'ai fait tout à l'heure?
là je saute, je lâche et je rappuie sur la touche de pour reprendre et il reste agrippé au... Si je fais ça... Voilà. Y arriver hein. Ah, voilà, on y est. Là j'ai une petite pause pour me reposer, il y a des poils, si jamais ils bougent, voilà, je peux m'agripper, mettre un petit coup d'épée pour le calmer, c'est ce qui te calme en tout cas. Non, 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 tombe pas, qu'est-ce qu'il me fait? Là, je tombe, je suis dégoûté. Allez, hop. Le point faible. Et là, on y est enfin. Admire un peu la vue au passage. Et du premier coup... On va bouger 5 minutes, ça serait cool. Attendez, il faut que je me replace. Ah non, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Attendez, je prenne pas de risque, inutile. Ça y est. Enfin, j'ai terrassé le 16e colosse, le tout dernier. Alors j'ai énormément galéré, je vous l'accorde. Mais voilà, je l'ai enfin, enfin battu. Allez, c'est la fin de cet énorme papa. Vraiment désolé d'avoir autant galéré sur ce dernier colosse. Vraiment, il est très très dur, hein. Surtout... Surtout qu'on n'a pas l'habitude de jouer à Shadow of Colossus. Le prochain papa, ça sera sur Pandora Tower. Et maintenant, moi, je vous laisse la cinématique de fin et je me tais. Allez, à une prochaine. Au revoir.
You do.
En minute! Ha!
is kemaku aodikov. Dika uraib. Rodiyu la kaya. Ola makudu. Izo yuli uli izo. Yukizso edihko erikiku aloa dokaer. Anli kong eudikanga yukiz.